Bon alors comment ça va tout le monde, bien ou bien? Bien, bien ou bien ou bien ou bien. Bien. Ok, donc du coup, aujourd'hui... Ah bah nouvelle saison, j'ai envie de dire. Remember it. Gliding Wing. Ah c'est sa veste. Équipé à tous. Ensuite du coup, on a Ibana. Avec la Dacia qu'on voit là, le reflet dans le casque. C'est le parking de chez Ubisoft, Montréal. Ah, je crois Montréal, hein, il me semble. J'avais cru voir ça un jour. Wow. Oh, on peut pas mentir, c'est réussi quand même. Putain la vache, vous en pensez quoi? Franchement, il est propre. Hein. Non, franchement, j'aime bien. Non, c'est pas déconnant, je suis pas méga skin, mais j'aime bien quoi. What? Les packs ont changé? C'est quoi Bravo Pack? Ah bah parce que c'était Alpha Pack, Bravo Pack. Du coup, ils ont level up les packs en mode Charlie Pack, Delta Pack. Ah, il est joli quoi. Leurs packs sont jolis, t'as toujours envie de les ouvrir et tout. J'aime bien comment c'est fait. Ah ouais, c'est la petite veste de biker qui va avec le casque de motard quoi. Ça va très bien, l'ensemble va très bien ensemble je trouve. Mais bon, sympa la petite jaquette là. Non non là là là. Non 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 non. Ok. Non 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 non. Non 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 non. Nope nope nope. Y a rien qui va là. Y a rien qui va. La veste tactique désigual. Nope 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 nope. Oh. Oh qu'il est chouette. Oh il est incroyable celui-là. Oui allô. Là, nous sommes en train de contacter les salariés de secteur privé. C'est concernant les formations auxquelles vous avez droit en tant que salarié. Voilà donc monsieur, ça fait plus de 2 ans que vous êtes en activité dans le secteur privé. Actuellement vous travaillez dans quel domaine exactement? Je suis go-go danseur dans un bar. D'accord. Et là ça fait plus de 2 ans que vous êtes dans ce domaine là monsieur? Ça fait 2 ans que je ponce, ouais. D'accord. Là vous avez le droit de bénéficier de ce programme dans des formations entièrement financées par l'État à la suite de vous. Vous avez des formations en go-go dancing? Non, pas le langage des signes. Non, le go-go dancing. Ouais, exactement ça, monsieur. Bah, c'est du striptease, quoi. Pardon, j'ai mal entendu. De striptease, vous voyez? Je suis danseur professionnel nu, en fait. Ah, d'accord. On n'a pas ce module-là, monsieur. On a tout ce qui est linguistique, les langues étrangères. Tout ce qui est bureautique informatique, digital, création d'entreprise. Ouais. Alors, si vous n'avez pas des trucs qui vont avec mon domaine d'activité, c'est un peu compliqué, vous comprenez? Même pour améliorer vos compétences personnelles. Vous avez combien de langues à parler français, monsieur? 16. 16. Mais j'ai beaucoup voyagé. Et tout ce qui est bureautique informatique, ça vous intéresse? Bah, je suis un ancien expert Microsoft, en fait. C'était ce que je faisais avant ma reconversion dans le go-go dancing. Ah, d'accord. C'est exactement, normalement, le digital. C'est le module que vous recherchez, monsieur. Oui. D'accord, là, dans tous les cas, monsieur... Votre conseiller pédagogique, bien sûr, qui part dans la matière plus que moi, il va vous rappeler dans les 62 heures qui viennent. Oh, c'est génial. Pour demain, après-demain, ou bien jeudi ou bien vendredi, d'accord? Oui. Il va tout expliquer lors du rappel. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, oui. Monsieur, avec plaisir. D'accord? Et juste pour ne pas vous déranger, d'habitude, quand est-ce que vous avez tout? Vous ne me dérangez absolument pas. Le matin, l'après-midi ou bien le soir, bien sûr, selon votre disponibilité. Le matin, l'après-midi ou le soir? Quand vous voulez. Oui, oui, quand je veux, oui. Oui, monsieur? Oui. Oui, je note l'après-midi à 16h, ça ira? Oui, parfait. D'accord, je pars. J'ai besoin aussi de votre adresse mail, monsieur, pour compléter votre dossier. Lapinouz.sexi.44.pro@googlemail.com. D'accord, je pars. Et votre code d'habitation, monsieur? Mon code quoi? Votre code postal d'habitation. Ah, 69. 69 000. J'habite à Lyon. D'accord, d'accord, je sais pas. C'est bien noté. Et voilà, monsieur, votre nom est prénom, c'est monsieur. Bon, oui, c'est quoi? Vous l'avez pas? Vous le voulez? Oui. Oui, Sébastien Durant, D-U-R-A-N-T, avec un T. Durant. Oui. D'accord, ravi de vous avoir en ligne, monsieur Durant. D'accord. Et vous êtes, madame? Gloria, c'est très joli. D'accord. Comme prénom. Merci, c'est très gentil de votre part, monsieur Durand. Monsieur Durand, vous avez un PC connexion internet chez vous? Attendez 2 petites secondes. Oh, c'est bon, ta gueule hein. Excusez-moi, c'est ma fille. Hein. D'accord. Elle arrête pas de crier tout le temps. Elle m'énerve. D'accord. Elle a tout petit, c'est pour cette raison. C'est pour cette raison. Non, elle a 18 voilà, ans. Monsieur Durand, 18 ans. Oui. D'accord. Vous avez la voix très jeune. D'accord. Vous êtes en train de me draguer, voilà, Gloria, monsieur, Durand. Pardon, monsieur? Vous êtes en train de me draguer un petit peu, Gloria, non? Pardon, j'ai mal entendu, monsieur.
Durand. Non, vous rien. Vous avez un PC connecté sur Internet chez vous? Oui, j'ai un PC, oui. D'accord, super. Et vous avez un compte Emily, un numéro de sécurité? Oui, j'ai tout. Ça. J'ai tout, tout, tout. Et j'ai aussi un truc que j'ai pris il y a à peu près 2 ans. Gloria, vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, il y a un truc que j'ai fait il y a à peu près 2 ans qui s'appelle Blocktel et qui fait que normalement, on devrait pas me faire chier au téléphone tous les jours pour des trucs absolument sans intérêt. Vous connaissez Blocktel? Je suis désolé, mais il me saoule. J'en bouffe 10 par jour. Je me fais harceler. Harceler. J'en peux plus. La pauvre, c'est son taf, c'est pas gentil de la bouler. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'était... c'est pas contre elle, tu vois. Mais il y a un moment, on bloque telle, quoi. Que veux-tu que je te dise? Hein? Ouais. Ah! Oui, allô? Ah oui, rebonjour, monsieur Durand. Ça a été coupé, je m'excuse. Ah oui. Et si j'ai bien compris, vous êtes sur Blocktel, hein? Oui, absolument. Vous n'êtes pas marqué sur votre dossier? Ah si, ah si, si. Vous n'êtes pas marqué sur votre... C'est pas marqué sur mon dossier. Mais mon dossier, sachant que vous avez ni mon nom, ni mon prénom, ni mon code postal, ni vous savez pas du tout ce que je fais dans ma vie, vous avez pas vraiment de dossier de moi, en fait. D'accord. Vous... Là, c'est écrit, c'est monsieur Lefebvre. Non, non. Gloria, vous m'avez l'air fort sympathique. Vous m'avez l'air fort sympathique, d'accord? C'est pas contre vous, ok? Et je sais très bien que ce que vous faites, c'est un travail difficile. Je le sais. Et vous appelez plein de gens, etc. D'accord. Mais c'est juste que tous les jours on m'appelle, etc. Et c'est embêtant. Et non, je suis sur Blocktel. Et non, je suis pas intéressé par ce que vous me proposez. Et vous êtes très sympathique, vraiment. C'est pénible. Merci, merci beaucoup pour votre attention. Et surtout pour votre gentillesse, monsieur Durand. Et bon courage à vous, je sais que c'est pas simple. Bon après-midi, merci. Bisous, ciao. Essaye de faire les choses bien. Il y a un moment où vous faites chier, quoi. Et encore ça va, parce que le téléphone maintenant te met un truc du genre suspecté d'appel, suspecté d'appel, suspecté d'appel. Et je prends que ça, suspecté de spam aujourd'hui, suspecté de spam 1, 2, 3, 4, 5 aujourd'hui. C'est constant, constant, constant. Et je sais très bien comment ça se passe. C'est une pauvre nana qui a rien demandé à personne, pauvre nana ou un pauvre mec, etc. Essaie de gagner sa croûte, etc. Et eux, ils achètent des listes en fait. C'est comme ça que ça se passe. Et après, il y a une nana ou un mec comme ça, malheureusement, qui toute la journée fait du démarchage au téléphone. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait pendant 4 ans. Et faire de la prospection au téléphone, c'est pas cool, quoi. Donc à la fin, je préfère quand même qu'elle rigole, machin, truc bidule. Ça l'a fait, à mon avis, ça l'a fait autant rigoler. Je préfère faire ça que d'être le gros trou du cul, quoi. Mais il y a un moment où ça me gonfle, en fait. Un moment où vraiment, on en prend plein, 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 plein. À chaque fois, c'est toujours les mêmes trucs. C'est les formations, 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 quoi. Et le nombre de SMS que je prends par jour, c'est insane. Oh, c'est joli. Oh, je le veux. Tu vois? Eh ben c'est quoi? C'est un panda roux, ça, je pense. Mais non, elle est japonaise. Ce serait une grosse faute de culture. Parce que tu ne savais pas, 6-4, le panda roux n'existe en fait que dans la principauté ou la de Xiamyang, au nord-est du de la Chine. Ok? Il n'y a absolument aucun panda roux au Japon, à part dans le zoo Nini de Kyoto. Donc non, c'est pas un panda roux. Mais ça ressemble à un panda roux quand même. C'est joli les panda roux, j'aime bien. Un kitsune, c'est un renard, non? Un kitsune? Un tanuki? Vas-y, ils inventent des trucs là, ils m'énervent, putain, les experts là, ils vont nous casser les couilles. J'en étais sûr en plus, il y en avait. Mais attends, tu ne savais pas, dans l'épisode 1487 de One Piece, tu l'as pas vu? Pendant 10 secondes, pendant cet épisode, on voit le fameux kitsune noir. C'est un animal qui est disparu depuis 100 ans. Attends, je vais regarder. Attends, c'est quoi, un takuni? Un tanuki? What? Plus connu en Occident sous le nom de tanuki. Et dans la mythologie japonaise, un des yokai, esprits de la forêt, inspiré du chien vivorin. Oh, c'est trop mignon. Ou chien martre, est également appelé raccoon dog par les Anglais, ou Wasbury Round par les Néerlandais, ce qui signifie littéralement chien raton laveur. Il est également connu sous le nom japonais de tanuki. Ah, pas takuni, tanuki, pardon. Il est de l'espèce des canidés, ressemblant au raton laveur, également parfois confondu avec le blaireau, auquel les Japonais attribuent des pouvoirs magiques. Maître des déguisements, il est réputé pour pouvoir changer de forme à volonté. Les tanuki sont souvent représentés tanuki. Ouais, c'est bon. Oh, hein, tanuki. Ah, mais je vais pas me faire ban quand même. J'avais pas vu la photo à droite. C'est éducatif, Twitch. Comme une sacrée paire de... du coup, ça c'est très joli. J'aime beaucoup. Genre vraiment... Et ça va, c'est quand même relativement sobre pour partir en game, machin, tu vois. Je préfère un truc comme ça,
un peu joli, un peu travaillé, subtil. Non, franchement, c'est vraiment cool. Plutôt que les gros trucs, les gros casques ou ce genre de trucs-là, quoi. Parce que ça, ça va pas venir altérer le gameplay, les hitbox ou autre, quoi. C'est très charmant, c'est très chouette. Ok, pourquoi pas, mais bon, c'est coloré, quoi. Ok, posons les choses calmement, ok. Est-ce que c'est parce que je suis un putain de boomer et parce que je commence à être trop vieux? Ou est-ce que vraiment c'est... Pff, non, c'est... Là, c'est trop, quoi. En fait, c'est trop. On aurait dit une tête qui sortait, là. Mais même pour les charmes, les mecs se sont déchirés, quoi. Les mecs qui sont responsables des charmes sur cette saison, félicitations. Genre, vraiment. Ils peuvent vraiment... on peut vraiment les féliciter, quoi. Il n'y a pas un charme qui est naze, quoi. C'est hyper chouette, quoi. T'as limite... En fait, je considère qu'un charme, il est bien réussi à partir du moment où t'aimerais l'avoir chez toi. T'sais. T'aimerais réellement qu'il sorte de l'écran et pouvoir le toucher, tu vois. Un skin, c'est... What the fuck? Avec des petits boutons et tout, là, et là, et là. Nom de Dieu, le skin. Oh, j'aime bien, moi. Il est incroyable. Vous êtes en train de me dire que là, ils ont eu 3 mois et la seule chose que c'est qu'on a, c'est un perso. Mais non, il n'y a pas qu'un perso. Il y a aussi un mode Team Deathmatch, ok? Et il y a plein de trucs qui arrivent. Ne sois pas médisant. Non, franchement, ça va en termes de contenu, ça va aller. Mais rien que le Team Deathmatch. Rien que le Team Deathmatch, pour moi, c'est pour vous chauffer, les amis. Comment tu fais pour te chauffer, Team Deathmatch? Ah, TDM. Let's go.